Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 31 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je vais vous souhaiter une belle fête d'Halloween. Mais savez-vous l'origine d'Halloween? Eh bien, l'origine d'Halloween est au départ une fête celtique. Et elle est évidemment d'origine irlandaise, puisque le celtique, c'est irlandais. Et le nouvel an celtique, il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais bien le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était bien la nuit du dieu de la mort, c'est-à-dire sa main ou sans main. Voilà, ça c'est l'origine de cette fête Halloween. Aujourd'hui, avant de commencer, vous allez répéter 3 fois cette phrase: mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Et tout passe par la pensée. Aujourd'hui, j'ai pigé. Tu es entièrement libre d'être et d'agir. C'est le dernier chakra, c'est le 7e chakra. C'est la couleur violette, mais mauve, mauve, violette, comme on le veut. C'est le chakra coronal, qui se trouve tout au-dessus de la tête. Je pense que c'était vraiment à la base de la frontanelle. Ce chakra est le siège, il siège votre niveau de conscience le plus intérieur et le plus haut. C'est une source d'unité, celui de votre âme. Telle une fleur de lotus, il reçoit la lumière divine de l'inspiration pour la manifester dans la lumière. Et lorsque ce chakra coronal n'est pas ouvert, il empêche l'accès à l'unité et provoque un sentiment d'isolement, de non-réalisation et de déconnexion. Car pour certains d'entre vous, vous êtes séparés de vous-même et du monde environnant. Toute forme d'enseignement mystique est balayée en bloc, puisque rien d'autre ne compte que la réalisation de la réalité au travers de vos 5 sens, et l'indécision, n'est-ce pas, vous domine, et vous n'avez, hélas, pas la moindre étincelle de joie en vous. Vous êtes fermés. On a l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous ne vivez pas. Et lorsque, maintenant, ce chakra couronne est bien ouvert, tout simplement, il reçoit la lumière pour mieux la transmettre et il permet votre accomplissement personnel dans toute sa complétude, parfaitement en axe, n'est-ce pas, avec vous-même. La vie extérieure, reflète votre monde intérieur et il est aisé de vous réaliser. Lorsqu'il commence à s'ouvrir, vous êtes attiré par les enseignements mystiques. Vous éprouvez un sentiment d'émerveillement devant l'immensité de la création. Pour être dans la pleine réalisation de vous-même, veillez, n'est-ce pas, alignez vos 6 premiers chakras. Et c'est ça le travail de s'autoriser à être soi. C'est d'aligner les 7 chakras. Tu es entièrement libre d'être et d'agir. Je m'excuse, mais il y a un avion qui passe. Chaque être, n'est-ce pas, nous naissons pour être libres, pour vivre en paix, avec nous-mêmes, en laissant ressurgir notre vraie nature. Tu peux décider, toi seul, tu peux décider d'être libre à chaque instant, dans ton petit cœur et dans ton âme, dans tes actes, dans ton entourage, dans tes fonctions et dans ta vie en général. On t'invite à te débarrasser de toutes tes pensées autolimitantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, tes pensées autolimitantes, tes peurs, tes complexes, tes réticences, tes jugements, tes interdits, etc. De toutes tes superstitions et tes croyances, qui sont un frein, des freins sur ta route. Et évidemment, ça cloisonne ton champ de vision. Tu sais, tu es libre de créer ici-bas ton paradis ou ton enfer. La façon dont tu perçois le monde te porte. Aie confiance. Aie confiance en la vie. Cultive des pensées positives. Investis sur toi. Reconnais-toi. Accepte-toi pleinement. Et c'est ainsi que, l'énergie émise émancera les circonstances heureuses qui t'aideront à te réaliser. Mais n'attends jamais passivement de la vie qu'elle t'apporte des orientations à suivre, car c'est toi, toi seul, toi qui bâtis ton bonheur. Ce ne sont pas les autres. Tu es maître de ta vie. Maintenant, il y a une solution, n'est-ce pas? J'ai oublié de dire la solution pour accéder à votre parfaite complétude, un cheminement de développement personnel et nécessaire pour prendre conscience qu'il existe d'autres dimensions, au-delà de vos 5 sens, et que vous avez le pouvoir de créer la réalité qui vous correspond le mieux. Voilà, c'est, encore une fois, tout vous appartient, tout ce que vous vivez, ça vous appartient, ça ne appartient pas aux autres. Toutes les décisions, les pensées, les actes, c'est vous qui les prenez, c'est vous qui les avez. Donc, tu es entièrement libre d'être et d'agir. Toi seul. Très, très beau message, n'est-ce pas? Je termine, je me concentre sur ma respiration à chaque fois que la peur survient. C'est une excellente façon de revenir à l'instant présent et de se détacher de l'émotion perturbante. Je pense que j'ai beaucoup bafouillé dans cette capsule. Je m'en excuse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une très belle fête d'Halloween à toutes et tous pour ceux qui fêteront cette fête. Et puis nous autres, on se retrouve demain, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse tout fort. À demain.